Et dire qu'il y en a qui disent qu'il n'y a personne. L'important, je décolle de chez moi, j'allume le poste, j'entends tout de suite du monde. Ah, vu le signal, ils sont loin de moi, ça c'est clair. Je suis à côté de Castillon-la-Bataille là. De surmodulation dans le lointain là. Visiblement, les Américains sont pas là. Je crois que la tempête là, qu'on a eue avec orage et tout, là, ça a mis un petit peu le bazar à ce niveau-là, au niveau propague. L'après-midi vers les 13h par là, il y a eu de la propague. Et là, ça a fait plouf après. Ah, là aussi il y a du monde. Là, donc sur l'air. On est vendredi soir à 16h50. Je le dis à voix haute comme ça parce que je n'ai pas trouvé la solution sur comment mettre quelque chose à quelque part par là avec une mini pendule quoi. Suffisamment petite, suffisamment visible. Là j'ai pas la solution. Ah
pour ceux qui nous font des petits coups de mauvaise foi. Parce que soit ils n'ont pas la CBI ou alors je sais pas. Ça leur est pas, ça leur est toqué par la tête. Là je crois que on entend qu'il y a du monde. Et vu le bruit que ça fait, on sent qu'il y a un petit peu de cacophonie dans le lointain. Ah oui, je sais pas de quel côté ils sont. Attention, Vega 33 pour Dundee 33 qui t'appelle. Hey, 73-51, toi, je suis sur National 89, je m'en vais au pro à Mérignac. Tiens, j'ai quelqu'un là en Ferrari, un peu énervé d'être resté derrière moi, qui m'a doublé mes foires commandes. Il a appuyé à fond sur le champignon pour être sûr de me doubler, le con. Alors que je suis à quoi ? À 110, pas plus. Ah tiens, à propos de con, il y en a un qui... non mais c'est du grand n'importe quoi là, justement sur le groupe Facebook, là, le groupe des kilomètres. Il y en a un qui s'est amusé là, à balancer des vidéos pour démontrer que c'est pas vrai qu'il n'y a personne sur la CBI. Quand tu regardes l'heure de la première vidéo, 20h, donc déjà à cette heure-ci, les gens sont soit au gastro solide ou voire même en train de regarder la tonne victorine. Et une autre vidéo, elle a été faite vers minuit et demi autour de ça. Ah, c'est sûr que dans les deux cas, le mec il était sûr d'entendre personne sur la CBI. Ah shit, trois coups. Ah, il y en a, il manque pas d'imagination hein, dans la connerie, sans déconner. Hein. Ouais, voilà, c'est les réseaux sociaux, c'est Facebook, voilà, c'est ça. Donc les gens peuvent être négatifs, ils sont heureux, ça leur réjouit la journée. J'ai un peu de mal avec ça. Oh putain. Oh là, ça m'a donné une idée d'une vidéo caricature qu'il faut que je fasse. Oh, j'en dis pas plus. J'ai des idées qui sont en train de germer là en tête, j'allais dire de merger en tête. Oh putain, ah non mais là ça... Oh, j'aurais pas dû partir là-dessus. J'ai une idée en tête de vidéo caricature à faire. Ah oui, non mais il faut que je la fasse. Il faut que je la fasse, mais bon, je préciserai dedans quand même que c'est une connerie, hein, que c'est une déconnade. Ouais. Hachi. Bon pro, ouais, les 73-51, la station Messi, qu'on le lâche le micro. Heureusement qu'on le lâche le micro. Ah, chi. bonjour la station, là qui a dit bonjour en premier. Et 73-51 à toi également. Voilà, ben j'arrive à la sortie 26. Je m'en vais au pro. Ok, les 73-51 Daniel, les 73-51 Benoît, les 73-51 l'autre station derrière, là que j'ai entendu également tout petit. La part de Dundee 33, 14 km, 33-01, actuellement sur la rocade de Bordeaux, entre la rocade Est, entre les deux stations totales.
Bruges. Ah bah ça passe bien de ce côté-ci. Merci. Peut-être j'allais dire bon pot également. Bah non, vu l'heure, j'imagine que t'as, bah oui, forcément tu dois être au QRA. Pourquoi forcément? Ouais, t'es forcément au QRA. Allez, je la refais. Ça, c'est un peu bazar sur la route. Alors tous ceux qui arrivent du pont d'Aquitaine, qui arrivent du nord, dans le sens intérieur de la rocade est, c'est bouché, bouché, bouché. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je pars largement en avance et je pars 1h45 avant d'emboucher quand même. Hein. Pour faire quoi, 65 km hein. Mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix si je veux être sûr d'emboucher à l'heure. Oui Daniel, les 13-51 à toi. Oui, il y a d'autres stations. On est 3-4 là au moins. Oui, on peut être même. Oui, on doit être 4, je pense. Oui, ouais, il y a Benoît. Il y a une station qui m'a dit qu'il voulait m'arracher le micro des mains là dans le push. H3 coups. Il y a toi Daniel. Plus une autre station plus QRP. Ah ben j'en ai oublié un autre aussi. Là, avec qui j'ai parlé un peu là tout à l'heure. Le vite fait là sur la route. Je suis de nuit là. Je fais 18h30, 6h30 sur l'usine. Tu sais laquelle, à Mérignac? Ok, d'accord. Donc demain matin, je ne t'écouterai pas puisque je prends la route vers 7h. Tu seras 73-51, toi, René. Ok, Daniel, compris. Les 73-51 à la station, voilà, de Dundee 33, dans la montée du pont d'Aquitaine. Alors là, je garde un petit peu le micro. Voilà, j'arrive en plein sur le tablier là, du pont. Alors, côté circulation, dans le sens de la descente, c'est l'air d'être assez QRO. Dans le sens de la montée, c'est un peu plus chargé, mais c'est aussi QRO. Voilà. Ah, on va monter sur le pont, parce que là, c'est marqué les Hauts de Gironde, les 73-51, ça passe très bien également de mon côté. En plus de ça, je suis étonné, voilà, j'ai pris le micro trop vite. J'ai pas entendu le moindre QRM sur le pont. Ouais, mais c'est toujours le 21, les 14 km 33-9, c'est pas pour. Ok, 14 km 33-9, tout ça retourné. 29, 20, mon poulet, voilà, 20. Et le 21 toujours à l'écoute. 20, j'aurais dû y penser, comme la région. Tout à fait, et puis c'est pareil, j'envoie les branchies pour d'autres stations derrière que j'entends, mais vraiment tout petit, petit, hein, dur, dur, voilà. Allez, je vous laisse, je vais les faire les tours avec eux tranquille, et je vais me dire. Ok, ben je suis avec 14 km 3306, c'est aussi Benoît, plus d'autres stations qui sont en même temps derrière. Je retourne le micro à toi, Senteur. Km 33 93 et 713 51, 14 km 33 01. Putain, j'ai oublié mon QRZ, mon indicatif sur le coup. Ah, chi. Là, mais c'est, ça, c'est parce que là, on est sur le canal 19 et parler en indicatif DX sur le canal 19, ça fait bizarre. Putain, il va
route là. Ouais, ouais, il y a une promo en ce moment. Ah, attends. Il faut sortir les parachutes. Voilà. C'est bon. Eh bien, je crois qu'on n'est pas loin de se retrouver à l'arrêt, là, sur la rocade. Ouais, bah oui, je vois tout le monde qui avait fait stop d'allumer devant moi. C'est bien ça. Eh bien, heureusement que je pars largement en avance, hein. Là, j'ai encore, allez, on va dire 3/4 d'heure, 1 heure pour embaucher. Pour bien faire, dans 3/4 d'heure, je devrais y être. Mais là, vu comment c'est parti, non, c'est pas l'heure de l'apéro, pas encore. Il est 17h25 passé, c'est pas encore l'heure. Un hélicoptère. Oui. je suis en train de chercher une connerie. Hein. Non, ça vient pas. Ah, si, trois coups, tu parles de ça, justement, j'ai plus rien au QRA. Hier, j'étais sur un site dans Bordeaux, là, bref, pour bosser. Vu le monde que j'ai un flux de personnes là, toute la journée, et puis par moment des cars. Alors, les étrangers, les ceci, les cela, je parle que français, dommage. Hier soir, en rentrant au QRA, j'aurais bien aimé prendre l'apéro. Je vais faire un petit tour dans le bar, là où il y a la station installée. Ah ben non, il n'y a plus rien. En guise d'apéro, je me suis contenté d'un verre d'eau. Bon, attention, Malibu, Toto, du Vendée, qui lance l'appel. Bon, Daniel, t'es toujours là? Ouais, je suis toujours là. J'essaie de chercher le filtre qui convient le mieux pour essayer d'avoir un peu moins de QRM. Parce que là, ce soir, là, tu t'écouteras sur la vidéo. Là, je suis sur la planète de Sibi francophone en direct. Donc, tu t'écouteras. J'ai énormément de QRM ce soir-là, Rémi. Donc, c'est pour ça que j'essaie de chercher le filtre qui va le mieux. Bon, en commutant, ça me recoupe un petit peu de réception, donc je t'ai été seul de tout. Voilà, Rémi. Ok, je fais une vidéo de mon côté aussi. Hein. Bon, évidemment, je ne vais pas m'en occuper ce soir, puisque je serai au pro. Tu verras, moi, par contre, de mon côté, là, ça passe bien. J'ai pas de pointe de QRM quand je suis en mobile, quoi. Enfin, j'ai plus de pointe de QRM quand je suis en mobile. Hachi. Au QRA, par contre, ouais, j'ai un QRM... quand je suis en BLU, par exemple, j'ai un QRM constant, là, de 4-5. Là, c'est pareil, j'ai pas trouvé le filtre qui peut m'éliminer ça, quoi. J'ai bon j'enclenche le filtre DSP, ça d'accord, lui il me filtre le son, mais les QRM sont quand même rentrés dans le poste, donc même si le son est filtré, tu vois bien au niveau du signal qu'il y a quand même un niveau de 4-5 permanent, et bon ben voilà quoi, c'est avant de rentrer dans le poste qu'il faudrait que ce soit filtré. J'ai bien le QRM éliminateur, mais lui son boulot c'est le CPL. Et comme là, j'en ai pas là, en ce moment, bon ben, il fait pas grand chose. Pour le coup, je garde éteint. Et c'est vrai que c'est chiant, hein. C'est pas évident. Alors, il y en a ce qu'ils font, c'est ils mettent des ferrites un peu partout, là, au ras des connexions, sur le coax. À voir, à tester. J'arrive bien sur un bar, en tout cas. Ok, voilà, bon, écoute, attends. D'origine que tu as, Dandy? Oui, je suis avec le micro d'origine. L'historique? Ok. Ça arrive à 10. 9 plus 20. Non. Ok, d'accord. Ouais, puis j'ai tendance à parler un peu trop fort dans le micro aussi. C'est. Voilà, là je reparle un peu plus raisonnablement. Là. C'est son domaine. Donc. Les matins, les travailleurs, bon, c'est.
cette cacophonie qu'il y a là. Et dire qu'il y en a qui s'amusent à dire, à prendre et à faire des vidéos justement dans les créneaux horaires où ils sont sûrs de trouver personne pour démontrer que c'est pas vrai, il n'y a personne sur la CBI. Et là, ils seraient là, ces gens-là seraient là, la seconde même, ils verraient que c'est même la cacophonie sur le 19. Pour faire deux selfies, là, il faut que je regarde et puis que j'aille chez Christophe récupérer pour faire ça, pour mettre ça là, pour pouvoir après écouter comme il faut là, les bandes. Ok, d'accord. Eh bien, tu vois, pour ceux qui s'imaginent que, ou plutôt qui cherchent à tout prix à faire croire que la CBI est morte, là, ça a été par moment de la cacophonie. Alors, quand c'est de la cacophonie, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui parlent en même temps. Hachi ! Et là, ça a été le cas. Mais t'inquiète pas, Daniel, j'ai eu Roger de tout ce que tu as dit. Hein. Je crois qu'il y a eu, je me mélange les crayons. 33-10. Oui, il y a 33-10 aussi. Il y a aussi au 33-93, je crois, ou 900... Oh, je sais plus. C'est ça. Rémi ? Oui ? C'est ça, Daniel, qui va devoir me supporter la semaine prochaine. Oh ! Daniel, il va falloir que tu supportes Gilles la semaine prochaine. Comment ? Il va falloir que je supporte Gilles ? Oh, je sens une grande histoire d'amour. Ah, si. Qu'est-ce que vous préférez, des roses? Quelle couleur? Attends, ça dépend, hein, parce que moi, la semaine prochaine, je fais quoi la semaine prochaine? Non, j'ai deux tours. La semaine prochaine, j'ai deux journées là-bas sur la Brède ou une journée à Ambès. Ouais, ben il est affecté là-bas. Ah, alors peut-être que je vais le former. Putain. Cul, hein, c'est moi qui te le dis parce que. Moi, si c'est un lundi, ça va, il a de la chance parce qu'il n'y a pas beaucoup de camions. Mais si c'est un mercredi ou un fin de semaine, il a intérêt de bouger son cul parce que là. Là, de faire l'internet et rien du tout là. Ah, si, trois coups. Bon, te connaissant, Daniel, tu vas lui montrer tout ce qu'il ne faut pas faire. Ah, c'est ça la formation. Oh putain, il n'a pas intérêt de quelque chose. Moi, c'est joli. Parce que le client direct qui est en accueil, te loupe pas. Et donc, je peux te dire que. Voilà. Non, mais après, je vais te dire, il n'y a rien de compliqué. Mercredi soir, j'ai fait 77 camions. Pour moi, juste sur la matinée, 77 camions. Et le collègue de la commission, il a dit, autant, un peu moins à faire, ils attendaient un peu plus de 140 ou 150 camions. La vache! Ah oui, non, c'est pour ça que je te dis, là, il faut pas dormir. Là, quand tu es sur les contrôles là, de camions, là, il faut pas dormir. Hein. C'est moi qui te dis. Hein. Je vous laisse votre métier de merde. Non mais après ils sont sympas les mecs, ils sont sympas, quand on les connaît, quand on a l'habitude de les voir et tout, non, c'est tout le temps quasiment que les mêmes chauffeurs, surtout les camions.
folie derrière. Mais bon, voilà, il faut y laisser passer malheureusement, il faut y laisser passer quand même. Bonne soirée, attention. Bonne soirée, attention. Oui, la station, les 73-51 d'Indy 33 sur la rocade avec plein de monde en fréquence. Hop, là, on a parlé en même temps. Oui, les 73-51, la station de Dindy 33 avec plein de monde en fréquence. Ah, je te disais, bonne soirée. 73-51, et oui, à plus tard. Ok, ça marche, bonne soirée. Pour moi, elle va être excellente, je m'en vais au boulot. Donc, c'est pas du temps perdu. Ok, à plus. Oh la vache! Je lançais quelques appels, mais pour que tu puisses m'écouter. Donc, je fais le Pluto 5, je fais le 185, qui était prêt vers 16h, quelle heure il était 16h, ouais. Vers 16h, 16h15, ouais, 16h15. J'ai un problème pour que je t'écoute. Ouais, effectivement. Je suis parti à 16h, 16h15. Ah, mais non, j'étais au QRA, j'étais en train de prendre le cappuccino avec XYL. Et là, on s'est mangé là, un petit gâteau. Là, il était à quoi Oh, je me souviens même plus à quel fruit il était. Quoi. Donc, non, j'étais pas en fréquence. J'ai décollé du QRA 16h45. Voilà, et j'ai de suite entendu du monde là en fréquence, là c'était assez QRP de mon côté. Et puis me voilà là sur Bordeaux, là toujours coincé dans la rocade. Sur la rocade, je suis à quoi? Je suis à pratiquement à la hauteur de la sortie 5. Ah oui, d'accord. C'est sûr qu'il doit y avoir du monde. Déjà qu'il est moche de Bordeaux là. C'est le week-end des vacances. Alors, dommage, ouais. Mais j'espère que moi, demain matin, j'aurai pas trop de monde, voilà. Bon, écoute, on fera avec. Hein. Bon, après le week-end, on s'enroule bien. Voilà, comme je monte sur la braise demain, donc ça devrait le faire. Alors, c'est vraiment tendu, on n'a pas tout à fait ici. Oui, la station, ça passe très bien là sur la rocade là, de Bordeaux, il n'y a pas de problème. Daniel, en même temps, là, c'est départ en vacances ce soir. Hein. Donc demain matin, ça risque d'être plus tranquille. Oui, il y a une station là qui demande si on l'entend. Oui, la station, retour à toi, la station. Oui, donc c'est Alpha Alpha. J'essaye un petit peu de suis à l'intérieur de Alpha, ouais Daniel, alors on a la station Alpha Alpha là qui module depuis un portatif. Voilà, depuis j'ai pas eu le temps d'entendre s'il était dehors ou en intérieur, mais il module depuis un portatif. Le retour Alpha Alpha. Ah oui, c'est juste pas ici, hein. Je connais pas très bien. Ok, alors pour le report, j'ai pas eu le temps de rendre le signal parce que je suis en train de rouler et j'ai le poste qui est en même temps très mal placé. Oui, en plus je suis dans les bouchons là, dans la circulation de la rocade. Donc j'ai plutôt les yeux constamment braqués sur la route. Et au niveau écoute, eh bien, c'est du très bon, c'est une bonne radio, une très bonne radio. J'ai essayé de parler le plus simple possible. Ça passe très bien. On croirait pas du tout que ça vient d'un portatif, hein. Loin de là. Donc, les amitiés, bonne fin de journée, vu qu'il est 17h40, de Dindy 33, la planète Sibi francophone. Indicatif pour la longue distance, 14 km, 33-01. Voilà, prénom Rémi. J'arrive à la hauteur de je suis pas loin d'arriver à la sortie Aisine. Ok, ben l'essai est concluant. Voilà, je suis à la hauteur de la sortie usine, le Bousca, sortie 7. L'essai est très très concluant. Hein. Ok, bonne soirée à vous. Merci pour ce passage.
Ok Daniel, retour à toi. Attention Centaure, t'es toujours là? Oui, je suis là, mais je n'ai pas qu'une seule station derrière. Hein. Il y a Simon, et bonsoir à lui, Daniel Centaure, kilomètre 3306, sur chemin de Rangers à l'air fixe. Ouais, ah tiens, on a les étrangers qui nous arrivent, donc il y a certainement la propague avec. Ouais, la station faisait un essai. Bon, l'essai, là où j'étais, en tout cas, là, c'était très très concluant, il n'y a pas de souci. Hein. D'ailleurs, tu pourras le voir aussi, là, Daniel, dans la vidéo. C'est même, vu comment il m'est arrivé, heureusement qu'il m'a dit qu'il était en portable. Puisque là, franchement, c'était vraiment tout cuiron, là, de mon côté. Hein. Ok, 100%, mais non, pour moi, là, c'était trop QRP dans les vies. Comme j'avais 3 QRM, là, donc, avec le souffle, bien sûr. Bon, tu connais le QRA. Donc, même si j'ai des filtres sur le metteur, malheureusement, c'est trop QRP pour moi, là. Voilà. Donc, écoute, je vais rester sur la vidéo, il n'y a pas de souci, là. Oui, demain, j'aurai le temps de. Pour la vidéo, je pourrais m'en occuper que demain après-midi. Hein. C'est pas avant. Hein. Je débauche demain matin à 6h30, debout midi et demi. Et bon, bah, gastro solide évidemment. Et il n'y a qu'après ça que je pourrais me pencher sur la vidéo. Hein. Ah, c'est vrai que au niveau de certains qui se plaignent de leurs conditions de travail, alors je peux te dire que même depuis la salle de pause, j'entends ronquer quand même. Hein. j'ai pas pris le bon PC avec moi pour ça. Hein. Celui que j'ai là avec moi, là, c'est celui qui est sous Linux. Et le logiciel que j'ai dessus va me faire une vidéo qui risque de faire plusieurs gigas. Alors que sur l'autre, non. Et sur l'autre, le logiciel que j'utilise, c'est-à-dire Videopad, t'as un petit coup de pub au passage. Lui me fait des vidéos plus légères. Et puis bon, je trouve beaucoup plus pratique à utiliser ceci, cela, et ainsi de suite, là pour ça. Quoi. Ok, mais non, je déconne en disant ça, je déconne. Évidemment, je sais. Cette année du travail sur la vidéo, non, c'est bien sûr, c'était là-bas pour voter aussi, hein, pour gagner notre retraite, déjà à la base. C'est-à-dire qu'il y a des copains qui regardent, là, disons, quand je vois, bon, ils sont pas nombreux, ils sont trois, peut-être après il y en aura d'autres qui regarderont, voilà, mais enfin bon. Putain, ça, et c'est toujours bouché. Hein. Dans mon sens, c'est reparti. Hein. Mais dans l'autre sens, les véhicules sont quasiment. Alors, attends, ce qui est marrant, c'est que la voie de droite, dans le sens inverse, hein, ça roule légèrement. La voie de gauche, tout le monde est à l'arrêt. Mais pourquoi ils se mettent tous sur la voie de gauche comme ça, quoi? On s'appelle avec Captel, les stations là. 73-51 la station de Dundee 33 là sur la rocade où t'es pas loin. Je suis à la hauteur de la sortie 9 Le Haillan. Ok, pas de l'autre. Avec QTH Mérignac, mais au cul, enfin tout simplement. Ok, et pas loin de Mérignac, tu as Daniel Centaure à qui je retourne le micro. Il
Houston, nous avons perdu Center. Bon Rémi, il y a notre ami Rico Gougot qui nous regarde depuis Mont-de-Marsan, le roi du monde. Oui, oui, oui. Il a beaucoup de choses, vous êtes avec nous aussi. Salut. Puis aussi Pascal du groupe de RC. Nicolas aussi, voilà, c'est un pompier. Et il y a Laurent aussi qui est en visio. Et David, oui, bah, on occupe la fréquence, hein. On occupe la fréquence, Laurent. Voilà. Ah oui, pardon, depuis Saint-Paul-des-Dertes, excusez-moi. Eric, excusez-moi. Voilà, il nous écoute depuis Saint-Paul-des-Dertes, le petit Ricounet. Ok Daniel, nous avons une station de Mérignac là qui vient nous dire bonjour. Ok, ben écoute, les 73 et aux autres stations, donc le plus jeune temps, les autres ils n'attendent pas. Voilà. De ma part, c'est 14 Alpha Charlie Bravo, l'opérateur Philippe, QTH Mérignac évidemment. Aucune raffronie à voir. Condition de trafic, brisé Jackson, antenne Genmaster 5-8ème, en fibre de verre. Voilà, tout simplement. Et puis voilà, je fais juste un passage. Je faisais un réglage de TOS sur le 20 et j'ai basculé sur le 19, qui est plutôt rare dans le temps du monde à cette époque-là. Voilà, micro de retour à vous, là, la station qui est en rocade. Ok, voilà, Dandy 33, voilà, c'est ça. Alors pour moi, les conditions de trafic, là, c'est un président Lincoln de plus. Et l'antenne, c'est une Wilson 5000 placée au centre du toit. Et là, je suis en compagnie de Center 14 km 3306. Ah oui, pour moi, c'est 14 km 3301. Il y a aussi Vega 33 là qui est derrière, 14 km 3309. Il y a aussi un peu plus loin derrière, 14 km 3320. Il y a aussi 14 km 33, je ne sais plus si c'est 993 ou 94, enfin je ne sais plus. Il y a d'autres stations aussi, il y a Benoît aussi là qui est du côté, qui est rive droite là sur les hauteurs. Il y a aussi, eh bien je sais plus. J'ai perdu. Retour à toi Daniel pour la station de Mérignac. Oui, 73, c'est la station de Mérignac, Daniel Santor, kilomètre 3306 en fixe, sur Saint-Laurent-Jean, voilà, le 14 India Novembre, 94 Oscar Victor, voilà, Saint-Laurent-Jean, India Novembre, 94 Oscar Victor pour le 14. Voilà, pour te situer exactement, voilà, je suis entre Pico et Sérillon. Voilà, donc j'ai eu très, oui, j'ai eu probablement que seul de la station de Mérignac, mais je pense qu'il est en mobile, Rémi, c'est ça? Non, la station de Mérignac est en fixe. Je crois que je dois être le seul à être en mobile, là, sur la à cette heure-ci. Je suis en fixe, voilà. Daniel, je suis en fixe, t'inquiète pas. Je n'ai pas la scène pour le mobile. J'ai entendu qu'il me faisait un retour de micro, mais j'ai pas compris après ce qu'il a dit. T'as Eric qui se trouve donc chez sa moitié à Saint-Paul-des-Dax, Rémi, notre Rico Gougot, qui te fait un gros bisou, voilà, qui t'envoie des bonnes amitiés. Salut l'homme qui est venu à l'ouïe des cocos. Je reconnais bien son humour. Ah, chic. Voilà, ouais, donc, ok pour Mérignac, mais c'est vrai que je le sors Ok, alors pour la station, alors plus je suis coincé dans les bouchons, plus j'arrive en avance. Il est 17h50, j'embouche à 18h30. Alors pour la station de Mérignac, vu que tu as beaucoup de QRM, il est en fixe. Voilà, tout simplement, il est en fixe. Oui, j'avais compris, Ami, j'avais compris qu'il était en fixe, ça, il n'y a pas de souci. Mais alors, ce que je voulais dire par là, c'est que j'ai pas. J'ai entendu qu'il m'avait fait retour de micro un peu, à un moment donné, mais je n'ai pas eu tout QSL du message vers la fin. Alors, je vais lui faire un retour.
qui, en plus de ça, moi, je suis pas trop bien planté parce que j'ai la ligne du tram qui passe à 50 mètres de la maison. Alors, je te promets que quand il y a une tram qui passe, ça me fait un paquet de fritures, là, sur le TX. Voilà, alors c'est un peu l'inconvénient de la ligne de la radio. Malheureusement, c'est comme ça. Puis, de toute façon, Mérignac, on se nie à que RM. Oh oui. Oh oui. Ok, Daniel, il te fait dire que lui aussi, là, il est dans un nid de QRM. Hein. Ben oui, c'est Mérignac, tout simplement. Ah oui, pendant que j'y pense. Les 7351 retournés également de la part, pour la petite déconnade, de l'homme qui murmure aux oreilles des crocos. Ah si, excellent. Faut que je me trouve une connerie, là. Non, pas à chaque fois. Je vous souhaite la bonne soirée, peut-être à bientôt sur la QRG. Après, je vais passer en position QRT définitivement pendant quelques heures. Et je vous dis à plus tard. Ok, pour notre part, là, pour le groupe là, que nous sommes là ici, de toute façon, nous, on est dans tous les modes, et que ce soit sur les canaux normaux, comme en sup, on n'a pas de souci avec ça, chie trois coups. Donc les 7351, la station de la part de Dandy 33, 14 km 3301 du forum La Planète Sibi Francophone, et bonne soirée. Ok, merci également, et bon week-end, ça ne se rentre pas. Allez, merci du passage. Merci, bon week-end également. Retour Daniel. Oui, 73, alors je n'ai pas ton prénom, excuse-moi, mais bon chiffre à toi, bon 73, bonne soirée, et puis peut-être demain, parce que demain à 7h, là, je prends la route de Saint-Médard direction la Brède, et vers 20h, je serai aux alentours de Mérignac à l'aéroport, vers 15 à peu près. Hein. Voilà, donc si tout va bien, 20h15, normalement, je vais mettre aux alentours de Mérignac à l'aéroport. Donc si tu es à l'écoute dans ces heures-ci, ça sera un plaisir de pouvoir échanger demain matin et dimanche matin. Voilà. On va laisser un petit peu pour voir si Gilles est toujours derrière. Gilles, est-ce que tu es toujours avec nous? S'il est là, je l'entends pas. Attention Gilles, Vega 33, kilomètre 3309, 200 ans, 3306. J'entends papoter dans le très lointain, mais bon, c'est pas lui. À tous les coups, il y a la mère tape dure qui a dû passer par là, qui a dû le dégager de la radio. Ah, il est plus là apparemment. Bon, toi Daniel, apparemment t'es occupé aussi. T'es toujours là Daniel? Ah ben zut. Mais comme moi, il sait faire qu'une seule chose à la fois. Soit il a fait disjoncter quelque chose. Voilà, il a touché son poste et il s'est retrouvé sans s'en rendre compte sur une autre fréquence. Et Daniel, t'es toujours là? Attention, Daniel. Bon, ben, c'est pas grave. Si des fois tu m'entends le 113-51, je vais passer en QRT. Et... ben je sais pas, peut-être demain matin, on sait jamais, sur la route. Sinon, à plus sur les ondes. Oui. Oui Rémi, excuse-moi, j'avais changé la fréquence de celle que je me rends compte. Bingo. Je sais pas pourquoi, j'étais sur le 275. Et voilà, c'est pour ça que je trouvais bizarre que tu ne me fasses pas de retour de micro, que j'entende plus Gilles ou quoi que ce soit. J'ai trouvé ça
Et donc, hors micro, j'étais en train de dire comme ça, soit il s'est fait, il est comme moi, il sait faire qu'une seule chose à la fois, ou alors il a fait une connerie, ça a disjoncté, ou alors sans le vouloir, il s'est retrouvé sur une autre fréquence. Ben, tu vois, dans le choix, c'était la troisième solution. Ah, chie. Ben, ça fait 5 minutes là que je suis dans les environs. Comme je disais tout à l'heure, plus je suis coincé dans les bouchons et plus j'arrive en avance. Il y a un truc que je comprends pas, quoi. Ouais, je suis à l'arrêt là. Je suis à l'arrêt, je suis pas très loin, je suis dans les environs. Ok, d'accord, bon, mais ça va, c'est bon. Bon, mais c'est du tout bon ça. Il faut pas trop les mettre en avance non plus, parce qu'il ne faut pas leur donner trop l'habitude. Ah ouais, non mais je sais bien, surtout que j'en ai repéré hein, quelques-uns. T'arrives, eux, QRT de suite. Hein. Alors j'en ai averti quelques-uns, j'ai dit, moi c'est pas compliqué ici. Pas parce que je suis arrivé sur le site que j'ai commencé à travailler de suite. Hein. Sur mon planning, il y a marqué telle heure, je ne commencerai pas avant, même s'il n'y a personne. Allez, venons. Voilà, ça c'est histoire de ne pas avoir à s'emmerder avec. C'est tellement mieux quand c'est les collègues qui font le boulot à leur place. Alors, non, merci. Ah ouais, tout à fait. Voilà. Bon, mais écoute, je vais couper la vidéo, Rémi, puis bon, on va rester un petit peu comme ça, là. Puis je vais saluer tout le monde, là, tous les copains, là. Il est 18h, je vais couper la vidéo. Bon, on va faire une petite heure à peu près de vidéo là en direct et puis de toute façon après ils verront le restant de ta vidéo à toi hein. Voilà, donc je vais saluer tout le monde de 14 km 4306 en compagnie de 14 km 3301 Rémi Dundy 33, il y avait Kilomike 3309 Gilles Vega 33 de son indicatif local, il y avait 14 km 3320. Je ne sais pas le prénom, mais bon, on le saluera quand même. Il se saluera, il se reconnaîtra. Et Kilomike, je crois qu'il y avait 972. Je ne sais plus. Voilà, bon, enfin, qui est l'OM, qui est l'indicatif des îles. Ah, si. Voilà, donc. Qui te salue, Rémi aussi, qui te connaît. Ah, si. Voilà, donc je vais couper la vidéo, je vais saluer tout le monde, et les YL aussi, bien sûr. Et puis on va finir comme ça. Demain, je ne serai pas à l'écoute, puisque je serai, à l'heure qu'il est, je serai en plein boulot. Voilà, en plein boulot. Voilà, donc 73 à tous, bonne continuation, bonne soirée. On va rester en fréquence, mais en privé. Voilà. Allez, retour de micro à toi, Émile, pour le final, et puis après je coupe la vidéo.
Ok, justement, j'ai dit, attends, coupe pas de suite. Alors, pour tous les grincheux qui partent du principe, qui regrettent que la CB existe encore, ben désolé, mais on est toujours bien là. Il y a toujours du monde sur la CB, comme vous avez pu l'entendre tout au long là, de la vidéo. On est bien là, il y a du monde, et dommage pour les autres qui voudraient que ce soit l'inverse. Mais on n'a pas l'intention de QRT du tout de la CB. Loin de là, au contraire, la CB se renforce de plus en plus. Tous les jours, il y a des nouveaux qui arrivent. Il y en a qui QRT aussi pour des raisons propres à eux. Mais tous les jours, il y a des nouveaux qui arrivent. Donc le roulement se fait et on retrouve de plus en plus de monde. Donc les 73-51 tous, soit de la part de Dandy 33, 14 km, 33-01 Rémi, et bon week-end à tous. Allez, 73, bonne soirée à tout le monde. Ouais, ça y est, la vidéo est coupée. Ok, je vois de mon côté, alors il me reste quoi? Ouais, 3 minutes. Il est quelle heure? 18h03, ah bah tiens. je vais laisser filer comme ça, tac, hein, voilà. Puis ce sera bon aussi de mon côté. J'ai déjà surenchéri là plusieurs fois, là, relancé plusieurs fois, je vais dire, la vidéo, j'ai pas compté. Ah putain, j'ai pas pris de bon chargeur, si je vais me débrouiller. Pour recharger la vidéo. Ah oui, tiens, le dernier coup, j'ai pris mon petit chargeur de téléphone là pour recharger la caméra. Ah non de Dieu, ça a mis toute la journée. Oh, 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 oh. Ah, je me suis dit, là, c'est sûr que la cul, là, il risque pas de prendre une claque, là, avec une telle lenteur de chargement, quoi. Ok, d'accord. Ouais, bon, mais écoute, c'est pour ça que j'ai dit, tiens, bon, c'est bon, il y a presque une heure de vidéo, c'est bien. Je vais essayer de passer avec le petit poste, oui, je vais passer sur le petit poste, là, je suis sur le gros, là. Je vais passer sur le petit, et comme ça, ok, ben je vais faire une coupure pour relancer aussi toi avec l'autre poste. Ok Rémi, ok, je suis avec le petit poste. J'espère que tu me reçois bien aussi. Ok, putain, je suis en train de regarder, j'ai presque plus de batterie là sur la caméra. Ah tiens, c'est bizarre, là la modulation elle est pas aussi bonne que le dernier coup quand je t'ai eu en fréquence. Ou alors il aurait fallu faire l'inverse. Pour le coup, je préfère l'autre poste. Là, c'est une modulation qui est surtout dans l'aigu médium. Il y a pour ainsi dire pas de grave dans la modulation de celui-ci. Ok, bah écoute, pourtant c'est le petit poste que j'avais l'autre jour quand on a fait l'été. Voilà, maintenant peut-être qu'il est froid, donc j'aurais dû le faire chauffer sur une autre fréquence. Si c'est tout. Ça permettra de voir, mais c'est vrai qu'il a une bonne audio, hein. C'est vrai que je reconnais, il avait une excellente audio ce petit poste. Hein. Si ça tourne encore, hein, ça tourne encore. Si non mais oui non mais oui non mais c'est parce que là j'étais depuis tout à l'heure habitué à l'autre, hein, où là ça boostait vraiment avec toute ta voix qui passe dedans. Et là, paf, sur le coup, ça m'a surpris. si, ça tourne encore. Hein. Je sais pas pour combien de temps encore, mais ce que je vois, là, il me reste plus qu'une petite barre, là, sur la queue. Donc, c'est je sais pas, quelques instants, ou je sais pas. Mais là, ça tourne encore, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, autrement, si, moi, j'aime bien la modulation qu'il a, celui-là. Hein. Pour essayer de récupérer le deuxième micro là parce que puisqu'il a notre
il a un autre poste, donc je vais essayer de récupérer le micro de l'autre mégapro là, en espérant qu'il est gardé. Ok, est-ce que c'est un micro qui a tendance à être un peu dans les graves? Parce que je pense que ce poste, c'est ce qu'il aurait besoin surtout. Hein. Donc, si c'est le cas, ça risque d'être génial. Ouais, ok, bah écoute, ouais. Ouais, ouais, c'est juste un tout petit 40 canaux MFR. Hein. Alors, attends, parce que là, je suis en M. Alors, attends, je vois comment ça s'est fait. Parce que, tu sais, je utilise. Ah oui, bon, ça se passe sur la tête. Ah, Saint-Ego 6 de mon côté, tu vois, quand même. Hein. Et là, je suis garé juste à côté, c'est quoi ça? Brasserie Fanny, qui est pas loin. Je peux pas trop te donner d'indication. Il y a un Poney Club là, qui est juste à côté, là. Léo Lagrange. Ouais, je suis garé là, à ce niveau-là, si des fois tu connais. Ça me parle un petit peu. Essaie de te mettre un FM si tu peux pour voir, ça va faire un FM. Alors ok, on passe sur le canal 20 dans ces cas-là, le 20 en FM. Ok. Ok, voilà, je suis sur le 20 FM. Bah oui, le 19, il est dédié qu'à la M, c'est tout. Donc on ne pouvait pas rester dessus. Ah oui, ah ben là, tu vois, la somme, là, c'est beaucoup plus clair. Je te reçois beaucoup plus fort et peut-être que pourtant, ça va être la même chose, là, pour moi. Alors, pas si sûr, c'est plus, oui, c'est un peu plus clair, mais plus aplati en même temps. J'ai mis le squash et la marque pour couper le souffle de la FM. Ok, d'accord, mais bon, pour moi, là, c'est beaucoup plus, ta radio, là, est beaucoup plus nette, hein. C'est dommage, peut-être que j'ai arrêté la vidéo, là, on est beaucoup plus net. Ok, voilà, j'ai mis le squatch, il est mis à 2. Ouais, c'est vrai que moi, ça, le bruit de la FM, c'est vrai que là, ça me fait plutôt mal aux oreilles. Hein. Oh la vache, j'ai du mal avec ça. Hein. C'est au secours. Hein. Antoine, j'ai rien contre la FM. Ça fait partie des modes qu'on utilise sur la CB, ça, il n'y a pas de souci. Mais le problème que je trouve à FM, c'est que soit tu deviens sourd au bout de quelques minutes, soit tu mets le squatch, et les appels trop lointains, ben pour le coup, ils restent coincés dans le squatch. Ah ok, voilà. Ah oui, mais non, je ne peux plus écouter, parce que je ne suis pas sur le l'antenne me sert pour émettre là, sur le petit. Je m'étais mis sur les bandes d'écoute là, du 36-37 là, mais... comme j'ai l'antenne qui s'occupait là pour là-dessus, donc comme j'ai pris l'antenne pour les faire là, donc c'est pour ça que bon, ça pique. Non, je vais essayer de me faire un dipôle de. Ben, c'est quel dipôle en fait? Voilà, non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Voilà. Alors, c'est une G5RD raccourci. Voilà, c'est une G5RD raccourci. Ouais, ça me parle. Je me demande justement si j'ai pas le plan sur le forum dans les bidouilles antennes. C'est. Ouais, je crois que j'ai vu ça là ces jours-ci justement apparaître là sur le forum. Je vais essayer de te l'envoyer, comme ça tu l'auras. C'est... Ok, ça marche. Je le rajouterai... Ouais, parce que je suis persuadé d'avoir vu ça sur le forum. C'est... Enfin, je suis persuadé. Ouais, faut que j'aille vérifier ça, ouais. Pour voir et puis je vais t'envoyer ça. Ok, alors il est quelle heure? Ouais, allez,
Je vais passer en QRT. Je vais t'envoyer les 213-51, Daniel. Merci pour ces QSO. Puis chapeau bas pour tout le monde que ça a mené. Toi, comme quoi, ben, c'est toujours pareil. Hein. Mais ça, c'est dommage. Hein. Les gens n'arrivent pas à l'assimiler. Il faut prendre le micro pour faire réagir, pour que les autres stations prennent les micros. Voilà. Ça marche, hein, et puis il ne suffit pas d'un petit appel bref. Il faut y aller, quitte à faire un peu de monologue. C'est pas bien grave, mais ça fait, au bout du compte, ça fait réagir comme ça l'a fait là tout à l'heure au début de la vidéo. C'est tout simplement, mais bon. Enfin bref, on refera pas le monde. Hachi ! Donc les 73-51, toi Daniel, c'est bon, la vidéo continue à tourner un peu. Les 73-51, toi Daniel, 212 au QRA, et ben, bon pro pour demain. Comme j'ai tout à l'heure, moi je débauche à 6h30. Donc qui sait, peut-être un petit coucou sur la route, on verra bien. Allez, à plus Daniel. Ok, bon courage, bonne soirée à toi. Salut Rémi. Je vais essayer de trouver là pour que je puisse l'envoyer. Allez, bon courage, je pense à tenir, puis peut-être à demain matin. Bye bye. Ok, merci, bye bye. Il y a quelque chose derrière, mais je ne sais pas si on entendra dans les vidéos, mais c'est vraiment léger. Après la vidéo, il y a eu quelque chose de bien sympa qui s'est passé. Une petite anecdote, j'étais garé à côté d'un bar, et du coup il y a des gens qui m'ont vu à la CB et tout ça, qui étaient assez curieux et connaissent pas trop quoi. Et là, ça a été l'occasion d'en parler de la CB, ce que c'est, le premier réseau social, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Pour finir, ben, j'aurais donné, là ils étaient deux, là, viens me voir, j'aurais donné les cartes de visite hein, du forum, la PN CB francophone. Alors après, intéressé de venir à la CB ou pas, bon, peu importe, au moins ils en ont entendu parler. Et ça, c'est déjà un beau point. Comme ça, ça permettra d'en parler autour d'eux, de ça, l'occasion, de ça, tac. C'est toujours bon à prendre. Même si c'est devant un bar, comme ça, peu importe l'endroit. Hein. C'est toujours bon à prendre. Et puis, ça a permis de... Oh, je suis resté, quoi, on va dire, 5-10 minutes à discuter avec eux. Hein. Et ça a vraiment été bien sympa, comme ça, tac. Ça finit discuter comme ça, ça finit même par surprendre dans le monde où on est aujourd'hui. Comme quoi, la CB me voit parler dans un micro comme ça, avec une antenne sur le toit de la voiture, a poussé les gens à sortir et venir discuter. Et ça, c'est tout simplement génial, quoi. Donc, eh bien, le prochain coup, il faudra que je me trouve à un autre endroit où il y a aussi du monde. Et puis, on continuera comme ça la petite distribution de cartes de visite. C'est toujours bien sympa, quoi. Et 73-51, les stations fréquences de la part de Dandy 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Et côté circulation, ça roule un petit peu, et c'est tout cuit, roule dans les deux sens. Bonne journée à tous. Alors il est 6h50. Et on est samedi matin. Alors évidemment, là, les gens font la grasse matinée.
Daniel Senteur, lui, prend la route dans 10 minutes. Donc là, c'est normal qu'il n'y ait pas grand monde, voire pas du tout. C'est facile à deviner qu'il y a des créneaux horaires comme ça, où forcément c'est le creux. Hein. Attention, senteur pour Dandy 33 qui t'appelle depuis la nationale 89, la sortie 9, la rocade de Libourne. Ah, il s'est mis en pause radio ce matin. Il ne doit pas avoir les neurones à tous les étages. Il faut le temps de se réveiller, le pépère. Oui, Daniel, je suis là. Je viens d'arriver à Libourne. Les bosses sont 1351 à toi. C'est maintenant que... Ah zut, je l'ai loupé dans la vidéo pour le coup. Bon, c'était très QRP aussi. Hein. Oh, il est sur le point d'Aquitaine. Ouais Daniel, les bonnes heures 1351 à toi, je suis en plein dans la zone de QRM à Libourne, à Chy, là où il y a les concessionnaires, où il y a tout ça. Quoi. Voilà, là j'imagine que tu dois être en haut du pont d'Aquitaine. Là, je suis en plein là. Ah dommage que là ça tombe mal. À Chy trois coups. Ouais Daniel, je t'entends Daniel. Là, je vais bientôt arriver au Bigarou, là, de mon côté, les 73-51 à toi. Ah, j'ai l'impression qu'il m'entend pas. Hein. Il doit avoir des QRM. Bon, je pense que tu dois être noyé en plein dans les QRM, là, de ton côté, que ça ne m'étonnerait pas trop. Mais c'est pas grave, tu verras ça dans la vidéo. Je crois que ce coup-ci, j'ai dû réussir à te voir dedans. Oh, le bleu là sur le poste, je suis curieux de voir ce que ça donne en vidéo. La nuit comme ça, moi de mon côté comme ça, c'est au niveau visibilité, c'est moyen. Le canal, je vois bien, ok, et la fréquence en bleu, c'est moyen. Tiens, ça tombe bien. En vert, ah ben là, ça flash. Le vert, il est très bien pour la journée. En orange. Ouais, au niveau luminosité dans la voiture, dans les trois couleurs, c'est quand même le orange le mieux. Avec les autres couleurs, on a l'impression d'avoir un phare dans la voiture. Et ça, c'est le gros problème du CRT 6009. Là, ça va, ça reste assez doux là, au niveau éclairage.
mais pour Daniel, mais tant pis. Moi, je l'ai entendu, en tout cas. Lui, je suis pas sûr.